Mais bonsoir à tous les amis, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai oublié la lumière. Hop. Voilà, ça change pas grand chose pour vous, mais pour moi ça fait toute la différence. Bienvenue les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live. Comme à chaque fois, manifestez-vous, vous êtes trop silencieux là. Bienvenue, on est une vingtaine sur le chat, nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et donc on arrive déjà à la fin de la semaine et je suis très content de vous retrouver. Bonsoir Reda, bonsoir Freddy, bonsoir Mook, bonsoir Slux, bonsoir Perceval, bonsoir David, bonsoir Maxime, Slux. Qui est sur une série de 25 visionnages, incroyable. Perceval qui me souhaite un joyeux anniversaire d'affiliation, je ne le savais même pas, donc merci. Est-ce que tu as le nombre d'années parce que je ne savais même pas en fait. Donc merci, bienvenue Kajopi, bienvenue à tous pour ce nouveau live les amis, je suis très heureux. J'ai perdu mes 66 visionnages, je suis d'ailleurs. Aïe, coup dur, comment ça? Tu as loupé quel live, Maxime? T'es là tous les soirs? Quel est le live que t'as loupé? C'est quoi? De quoi? La série de visionnage ou l'anniversaire d'affiliation? Il faut être précis ici, Mook, hein, sinon on va pas y arriver. Hein. Mais en tout cas, bienvenue les amis. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Enfin non, pour cette nouvelle semaine, n'importe quoi. L'anniversaire. L'anniversaire d'affiliation, en fait, c'est quand tu te lances sur Twitch... Tu es rien ni personne quand tu crées ton compte. Voilà, tu n'es rien ni personne. Et en fait, quand tu commences à faire un petit peu des stats, tu deviens affilié. Quand tu viens à faire beaucoup de stats, tu es partenaire. Voilà, en gros. Donc, il y a juste Twitcher normal, affilié et partenaire. Et donc, là, apparemment, c'est mon anniversaire d'affiliation. Sachant que pour être partenaire, c'est quand même très compliqué. Il faut... je peux vous expliquer même. Je peux même vous donner les détails. Tu as l'air en forme, mais tout le temps. Hier, je pouvais pas, je suis juste passé dire bonjour, mais ça l'a pas compté. Ah, merde, dommage. Aïe, va falloir recommencer. Va falloir recommencer la série, Maxime, y a pas le choix. Bienvenue à toi, Quizb. Bienvenue. Alors, où est-ce que c'est? Statistiques, succès, c'est ici. Donc, quand ça commence, effectivement, voilà, donc on n'est rien du tout et les succès, il faut débloquer, lancer notre premier stream, explorer le tableau de bord, mettre à jour le titre de votre stream et mettre à jour votre catégorie. À partir de là, on gagne un succès et on passe dans le streamer confirmé. Après, il faut atteindre 50 followers et 5 personnes en même temps sur le chat. Et ensuite, on passe pour l'affiliation où il faut avoir 50 followers, streamer un total de 8 heures. Streamer 7 jours différents et avoir 3 spectateurs de moyenne. Ça, bien entendu, c'est sur une durée de 30 jours. Il faut faire ça en 30 jours. Et ensuite, il y a le partenaire où il faut streamer un total de 25 heures. On en est à 60 heures. On est large. Il faut streamer 12 jours différents. On en est à 19. On est large. Et donc, il faut avoir 75 spectateurs en moyenne. Et là, nous, on est à 37. Donc, ramenez vos amis, votre famille, votre grand-mère, votre oncle, votre père, votre mère, votre soeur. Ramenez tout le monde en fait. Ramenez tout le monde pour qu'on fasse les 75. Comme ça, on pourra partenaire. Mais sinon, voilà. Bon, après, ça, c'est des objectifs de beaucoup. Moi, personnellement, je vous cache pas que voilà. Je regarde quasiment jamais mes stats. Donc voilà. T'as mangé quoi? J'ai mangé des tortellini. Tortellini jambon cru. C'était très bon. Coucou mon Chris, comment ça va mon Attila? Si tu veux genre avec tous les écrans. Alors honnêtement je sais pas comment ça marche, je pense pas que c'est au nombre d'écrans mais au nombre de comptes. Donc du moins c'est ton compte à toi, je pense pas que ça marchera. Et donc du coup regardons un petit peu les stats. On en est à 790 heures de stream depuis un an et trois mois. Pas mal hein. On a fait 59 raids, il faut en faire 100 pour débloquer le succès. Et il faut faire 1000 heures de stream pour débloquer le succès. Donc je pense que les 1000 heures de stream, on les fera peut-être d'ici la fin d'année. Mais voilà, donc il nous reste aussi 41 raids à faire. Atteignez 1000 spectateurs en même temps. Le maximum qu'on a fait, c'est 554, ce qui est pas mal. Hein.
streamé un total de 2000 heures, bon bah là voilà, atteignez un total de 250 000 heures de vues sur votre chaîne. On en est actuellement à 33 000 heures. C'est quand même pas mal, je découvre les stats en même temps que vous. Et après donc, il y aura 500 000 heures de vues, 1 million d'heures de vues, 10 millions d'heures de vues. Là, à ce moment-là, je pense que on y arrivera. Enfin bon, ne jamais dire jamais, mais c'est quand même 10 millions de vues, d'heures de vues, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, voilà un petit peu pour les stats et qu'est-ce que c'est affilié, etc. Au niveau du planning, les amis, hier soir, nous avons terminé Test Drive Unlimited avec les dernières épreuves et les tours de l'île. Mais on a fait les épreuves moto, etc. également. On a attaqué Driver San Francisco mardi et on va le terminer demain. Demain à 20h, on termine Driver San Francisco. Et donc lundi, on avait fait la soirée réac sur le vlog de l'E3 2019 qui était très cool. Et donc ce soir, c'est le lancement de ceci. Le tout premier Assassin's Creed sorti en 2007. En 2007, les amis, c'est un classique signé Ubisoft sur la première, enfin sur la PlayStation 3 et la Xbox 360. Et donc, il me tarde clairement de redécouvrir le jeu parce que je ne vais pas vous mentir, mais je n'ai absolument pas refait le jeu depuis sa sortie. Et même à sa sortie, je ne l'avais pas terminé. Je ne l'avais pas terminé étant donné que j'étais un petit peu plus jeune à ce moment-là et le côté un petit peu redondant du jeu et surtout son époque, son contexte historique ne me disait pas grand-chose. Donc, est-ce que je vais accrocher 17 ans plus tard ? Oh là, ça fait dur de dire ça. Oh, ça fait dur de dire ça. Est-ce que 17 ans plus tard, je suis un petit peu plus mature pour accrocher et profiter de ce Assassin's Creed ? Est-ce que ce Assassin's Creed a bien vieilli ou non ? Eh bien, on va le découvrir ensemble, les amis. On va le découvrir ensemble dans cette série de Let's Play. Et après, on enchaînera sur Assassin's Creed 2, 3, 4, machin, etc. Demain, je ne pourrai pas être là, désolé Chris. Ah merde ! Bah écoute, pas de soucis, hein. Pas de soucis. Tu pourras bien entendu rattraper, parce que je vous rappelle que chaque lendemain de live à midi pile, comme ça parfait si vous êtes en pause déj, le replay du live est mis en ligne. Donc si c'est des jeux comme l'Assassin's Creed, Test Drive Unlimited, Driver, c'est sur ma chaîne perso Chris Klippel. Si c'est un jeu Rockstar, c'est sur Rockstar Mag. Si c'est un jeu Naughty Dog, c'est sur Naughty Dog Mag. Mais quoi qu'il arrive, le lendemain à midi à chaque fois, vous avez votre replay. Passe quand même que tu vas perdre tes visionnages sinon. Voilà, c'est qu'importe où tu es, tu passes quand même, sinon tu perds le visionnage. Là, je pense que le logiciel il va crash, comme à chaque fois. Dès que je lance un jeu PS3, il crash. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'en étais sûr qu'il allait crash. Donc on va le relancer. Le problème, c'est que je serai dans l'avion. Ah ouais, dans l'avion, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Donc, bah écoute. C'est-à-dire que si tu es dans l'avion, c'est que tu pars en vacances ou en week-end. Enfin, j'espère. J'espère que c'est pour une bonne nouvelle. En tout cas, bah, j'espère que tu vas profiter. Et puis voilà. Bon, ça se lance ou ça se lance pas ? J'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant, donc... C'est lancé ou c'est pas lancé ? Je crois. Hop. On va faire ça. Tac. Là. Ah ! Oh, il y a une mise à jour. Une mise à jour. What ? Ah bah oui, je viens juste de lancer le jeu. Putain, ça va recracher du coup, si on va revenir sur le menu. Non. Oh, tu pars au Québec, trop bien. Trop bien. Alors pour les séries de visionnage, rien du tout. Hein. C'est juste pour vous, pour flex. Hein. Pour vous montrer que vous êtes les meilleurs viewers. La meilleure communauté. Bon, qu'est-ce que ça nous dit là ? Qu'est-ce que ça nous dit là ? Parce que depuis tout à l'heure là, c'est la mise à jour qui fait chier. Hop.
comme par hasard, il y a un souci. Non mais là je pense que c'est la mise à jour. En fait d'habitude je lance le par exemple pour Driver San Francisco, c'est pour ça que vous l'avez pas vu, j'ai lancé avant. Parce qu'en fait le menu de la PS3 est en 1080p et les jeux sont en 520p. Donc le Switch, je pense que le logiciel a un peu de mal. D'où le fait que ça crache. Et donc en général je lance en amont. Sauf que là j'ai voulu le faire en direct, j'ai oublié de le lancer. Mais bien entendu il y avait la mise à jour etc. Voilà. What the fuck. <rire> 27 minutes pour 25 mégas. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Tac. Paramètres. Oh là putain, il va falloir que je paramètres de connexion internet. Putain, pour m'en rappeler. Ah si si j'ai la fibre. Ah si si j'avais pas la fibre, je te le dis que on ne serait pas en train de streamer. Mais c'est juste que je sais pas à quoi elle est connectée la play en fait. En fait, techniquement elle est même pas connectée à internet. Donc c'est ça que je comprends pas, c'est que. Comment elle peut télécharger? Sachant que. Sachant que techniquement, elle est pas connectée à internet. Connexion sans fil. Tac. Oh l'enfer, elle est connectée. Attends. Est-ce que automatique. Non, putain. Est-ce qu'elle peut détecter un. Je me rappelle. En plus, pour me rappeler. On va faire scan. Et je vais peut-être. Tac. On va peut-être essayer de faire. Partage de connexion. Voilà, est-ce qu'il apparaît? Salut Rodrigue. On va rescanner. Ce sera plus simple avec mon tel. Voilà, nickel. iPhone de Chris, on est bon. Il est con ou quoi pour qu'il veut pas le prendre? Tac. Tac. Ah. Tac. Hop. On balance le mot de passe. Hop. 5G, en 5G ça devrait le faire normalement je pense. Vérification de la connexion réseau. Hop. Non mais là 27 minutes pour 25 mégas, 25 mégas vous savez ce que c'est? Comment ça point non détecté? Oh merde lui. Bon, on va prendre une autre solution. On va faire sans fil. On va prendre. Alors je vais peut-être essayer ça. 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 Mais en web. Je sais jamais c'est quel type de mot de passe. Merde. En plus, tu peux même pas afficher le mot de passe sur la PS3. Donc tu sais même pas si t'as juste ou pas. Ok, donc c'est pas ça. Donc ça va être WPA. On va réessayer. Faut vraiment faire gaffe à ce que tu tapes. Ok. Je sais pas comment c'est chiant pour. Ah oh, non mais c'est l'enfer.
Surtout que là, je comprends pas parce que. En fait, je me demande, est-ce que la PS3 était assez récente pour le partage de le réseau de partage de. Je pense pas en fait. C'est juste ça le souci. Sauf que j'ai vraiment la flemme de taper le mot de passe de mon. Ouais, non. En fait, je pense que le. Je pense qu'elle est trop récente. Enfin, c'est trop vieux pour pouvoir faire le partage de connexion. Oh là, malheur. Non, mais taper ce mot de passe de l'enfer, sachant que tu ne peux même pas. Non, ça va être l'enfer. On va essayer celui-là. Parce qu'il faut savoir que j'ai une borne Wi-Fi aussi chez moi. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac. Non, ça tient. Est-ce que celui-là ça marche? Salut Titi, bienvenue! Ah, mais là j'ai pas de câble sous la main et ma borne elle est pas à côté donc ça veut dire que je vais pas tirer un câble en plein live. Et au pire, on fera pas la mise à jour. Ah, mais ça je crois que c'est obligatoire sur PS3, non? Putain, pour Driver San Francisco, j'ai anticipé. J'ai installé le jeu dans l'après-midi parce qu'en plus il y a eu une installation du jeu à faire. Bon, ça a duré 5 secondes, mais ça a dû la faire. Là, pour Assassin's Creed, je me suis dit, ouais, allez, tranquille, ça va passer. Bah non, forcément, faut qu'il y ait une mise à jour qui casse les couilles. Mais c'est un jeu Ubisoft, ça, hein, forcément. Hein. Fallait bien que ça arrive. Hein. Bah pourquoi ça marche pas là? Si vraiment ça marche pas, il va falloir vraiment que j'aille connecter la Play par câble dans le salon. Le DV a échoué. Oh, l'enfer! L'enfer, 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 l'enfer. Bon, je vais tenter avec ma box principale. Mais Salut William, comment ça va? Bon, sans fil, scan. Oui, bien sûr que j'ai une box. Bien sûr, bien sûr. L'enfer, bon bah allez souhaitez-moi bonne chance. Alors. Tac. Hop. 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 Normalement, c'est ça. S'il vous plaît, pitié, faites que ça marche. Allez. Ah, let's go! Let's go, voilà. Bon, bah c'est bon. Allez. Ok, nickel. Bon, on va falloir télécharger la mise à jour maintenant. Putain, mais quel enfer! Hop. La mise à jour 4.91. Du coup, t'as passé le genre. Bah non, non, même pas. Non. Bah logiquement, c'est censé marcher donc. On est les meilleurs avec le meilleur. Oh, c'est gentil, moi, Attila. C'est gentil, c'est gentil. Bah ça va, Reda, mais t'étais là tout à l'heure, Reda. Yo, personne, bienvenue. Appuyez sur la touche PS. On va y arriver, on va y arriver. On va lancer avant 20h40, on va y arriver, on va y arriver. Non, il y a l'installation. En fait, l'installation va être plus longue que le téléchargement parce qu'il n'y a pas de SSD.
Ah. En même temps, c'est vraiment un stream rétro. Hein. Rappelez-vous quand on faisait ça là. Rappelez-vous cette interface, cet affichage, etc. On est vraiment dans le. Voilà, on fait même une mise à jour en live. Salut, ce sera quoi le prochain jeu que tu feras? Alors. Bah, tant qu'on fait ça. Hop. On peut. Donc là, en ce moment, comme je l'ai dit. On est sur Driver San Francisco et Assassin's Creed, sachant que Driver San Francisco, on va le terminer, on va le terminer demain. Test Drive, on l'a terminé, donc c'est-à-dire que la semaine prochaine, on attaque une nouvelle semaine uniquement avec du Assassin's Creed. Donc, la semaine prochaine, on va lancer ceci, Burnout 3, qui est un grand classique. Et en général, je fais 3 jeux. Un jeu principal que je stream 2-3 fois dans la semaine. Et un jeu et 2 jeux secondaires que je fais une fois. Donc je sais pas encore. Est-ce que je reste sur Assassin's Creed Burnout 3 et je fais 2 streams de chaque à chaque fois? Ou est-ce qu'on prend un troisième jeu? Est-ce que vous voulez qu'on tourne sur 2 ou 3 jeux? Ça va être à vous de me dire. Meilleure licence les Assassin's Creed, j'ai platiné le 2 hier. Oh trop bien. Trop bien, trop bien. Tu vas faire que du jeu rétro, tu comptes faire des récents? On va tout faire. On va tout faire. Non, pas de rétro en ce moment. On va faire un réac au Grand Tour NSTG, ouais. Le lundi prochain, j'ai prévu un réac de Welcome to Los Santos. Et en cas, le lundi encore d'après, on fera un réac du Grand Tour NSTG. Merci pour le mettre Eyes, bienvenue. Bienvenue. Donc vous voulez partir sur 3 jeux? On part sur 3 jeux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais regarder ce que j'ai prévu c'est pour ces prochaines semaines. On va revenir. Ah, c'est en train de se... la play est en train de se relancer, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Tac, 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 tac. Hop. On peut se lancer sur Bioshock 2. On peut faire Crash Bandicoot 4. On peut faire GTA Vice City Stories. On peut faire Mafia Definitive Edition, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, comme ça, ça fera un jeu récent. On peut lancer Sly Cooper. On peut faire Pokémon Earth Gold. On peut faire le premier Spyro en version Reignited Trilogy. On peut faire le premier Uncharted. Mais forcément, il n'y a que des fans de Rockstar. Vous allez tous me dire GTA Vice City Stories. J'aurais pas dû le dire. GTA Vice City Stories, on le fera en juin. Je vous l'avais dit. On va faire GTA Vice City et Test Drive Unlimited 2. On va bien manger. Parce que juin, ce sera un petit peu vraiment le début de l'été. Donc Test Drive, ce sera Ibiza. C'est bien l'ambiance de l'été. Et GTA Vice City Stories, Vice City, c'est forcément... Donc voilà. Moi, je pense qu'un petit Mafia, ça pourrait être sympa. Surtout si vous êtes fan de Rockstar. Bah finalement, Mafia, c'est pour moi un des open world GTA-like qui rivalise le plus avec Rockstar et GTA. Donc Mafia, Mafia 2, ça peut être très bon. Et le Mafia Definitive Edition est très bon. Donc je peux vous proposer du Mafia. Ça pourrait être pas trop mal, je pense. Honnêtement. Comme ça, on a vraiment le jeu rétro avec Burnout 3. Le jeu mi-rétro avec Assassin's Creed. Et le jeu récent avec Mafia Definitive Edition. Et ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on fasse ça sur la chaîne maintenant. Un jeu rétro, genre l'époque années 90, début 2000. Un jeu mi-rétro, 2010-2015. Et un jeu récent, 2015-2024. Est-ce que ça vous irait comme ça, cette façon de faire sur la chaîne? Moi, je pense que ça peut être pas mal. Bah, après... Voilà, pas besoin de tout le temps respecter ça à la lettre. Hein. Oui, sauvegarde en ligne. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que c'est plutôt pas mal.
Là, forcément, je crois qu'il va replanter. Il va falloir que je le relance. Donc, on let's go sur Mafia Definitive Edition. Alors, ce sera peut-être pas la semaine prochaine. Parce que la semaine... Enfin, peut-être si, on verra. Je vais voir comment j'organise le planning. Je vais voir comment j'organise le planning, sachant que... Bah non, c'est pas moi le maître, c'est qu'il faut aussi faire des jeux qui vous intéressent. Alors, F1 2010, on va attaquer... Enfin, voilà. Allez, petite exclusivité, je vous balance. Mais en gros, je vais... Ah non, la console, elle a pas crashé quand même. La console, elle a crashé ? Je peux rien faire ? Non mais on va arriver à le lancer ce stream ou ça se passe comment là ? Ah. En fait, je vais investir dans un setup de sim racing. La play qui me fait des frayeurs. La play qui me fait vraiment des frayeurs. Qu'est-ce qui... What the fuck? Hop. Tac. Ah, attendez, hein, on est en mode plein technique. Mais je vais investir dans un setup de sim racing. Et donc on risque de lancer des lives sur F1 24. Dès qu'il sortira fin mai. Avec comment ça s'appelle le siège baquet, le volant, etc. Bon. Alors, on va faire comme ça. Voilà, ok, donc là, la play, ok, elle est là, on est bon. Pourquoi ça s'affiche pas, je ne sais pas. On va chercher une mise à jour, on va essayer de passer la mise à jour comme ça directement, sans lancer le jeu. Ok, donc là, ça marche. Pourquoi ça me... Ok. Et merde. Ah... Ok, donc là je reviens là. Pourquoi lui il veut pas me rafficher la... Ah, je vous le dis, c'est une galère, hein. c'est un délire hein, de streamer. Finalement, on va peut-être pas faire autant de rétro. Hein. Trop galère. Ça y est. 619 minutes, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah, ça y est. Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je disais quoi? Donc oui, on va vraiment faire des streams, sachant que j'ai jamais joué à F1. En mode volant, pédalier et transmission manuelle. C'est-à-dire que c'est moi qui passe les vitesses, etc. Donc en fait, ça va être du training en live pour vous. Donc vous allez me voir vraiment galérer comme un gros porc. Et en fait, on va voir mon évolution au fil des mois, en fait. Et si dans 6 mois, je vois qu'il n'y a pas d'évolution, bah, je revendrai tout ça. Ah merde, mais vous voyez pas que je suis... En fait, j'ai dit ça, mais vous voyez pas. Par contre, je sais pas ce qui se passe. On était à 0%, on est passé directement à 24%. Et là, ça bouge plus. Est-ce que je suis connecté? Non, je suis pas connecté.
Oh, tu vas pas me dire qu'il va falloir que je me reco... Eh, je vais péter un plomb, hein. Putain, 20h45, j'avais dit que je lancerais avant 20h40. Paramètres réseau. Non mais Titi, depuis tout à l'heure, tu dis que c'est tout est normal. Ma PS3, elle prend feu. Non mais c'est normal, t'inquiète. Au bout d'un moment, Attends, j'aurais pas dû faire ça d'abord. J'aurais dû tester la connexion. Non mais t'inquiète Titi, ça va aller. C'est juste que... Pourquoi il ne se connecte plus? Oh mais quel enfer! Quel enfer! Oh non mais vu ma connexion, enfin... 25 mégas... Non c'est pas censé faire ça en fait. Allez hop. On est reparti. Ah bah d'accord. Ma box est plus détectée. Ah bah d'accord. Oh là, faut rentrer le mot de passe. Ah là 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 là. Voilà. Fallout, j'ai bien kiffé, ouais. J'en suis à 2 épisodes. Donc il faut que j'attende de finir la série. Mais les 2 premiers épisodes sont vraiment très prometteurs. Donc si c'est tout le temps comme ça, bah franchement, on sera sur une giga masterclass. Alors, vérification de l'obtention de l'adresse IP en cours, c'est très long. Oui, pas de spoil bien sûr, hein. Pas de spoil pour tous ceux à réussi, connexion internet, vérification en cours. Déjà moi j'ai pas fini donc... Alors, si t'as joué au jeu c'est mieux parce que tu vas avoir une flopée de références. Si tu n'as pas joué au jeu, bah tu pourras découvrir l'univers Fallout. De toute façon... Là, on va faire Mafia Definitive Edition. Mais je sais pas si vous avez vu, mais Fallout 4 va sortir sur PS5 et Xbox Series X le 25 avril. Donc, eh ben on se fera sans doute Fallout 4 en live. Parce que j'ai très envie de refaire Fallout 4. Ok, je peux pas me connecter au PSN. Super. Pourquoi je peux pas me connecter au PSN? Ok, bon. On cherche mise à jour. Oh mais comment ça rame de ouf ! Quel enfer ! À 25 mégas, mais ça devrait prendre même pas une seconde. 133. Au secours. Et ça fait que monter. Mais il se passe quoi? Tout ma connexion est ouverte puisqu'on est en train de streamer. Je comprends pas. Ah, c'est peut-être parce qu'en fait on est en train de stream, donc du coup en fait c'est le stream
qui pompe la connexion. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Ah mais normalement vu la co que j'ai, mais je peux largement stream et faire ça en même temps. J'ai jamais fait de Fallout, tu conseilles d'y jouer avant de regarder la série? Je peux pas être objectif parce que pour moi Fallout, c'est une de mes licences préférées. Hors Rockstar et hors Naughty Dog, c'est vraiment l'une de mes licences préférées. Du coup, moi j'ai torché Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas. Oh, je vais câbler. Bon écoutez, on va essayer de lancer comme ça. Et on va voir. J'essaierai de faire ça hors live parce que j'espère que la mise à jour est pas obligatoire. Je me rappelle plus tout, je crois qu'elle est obligatoire. De toute façon, je vous dis, je vais sans doute faire Fallout 4 en stream à partir du 25 avril. Donc ce sera l'occasion pour ceux qui connaissent pas de découvrir. Ah, annuler. Ah ben voilà, il n'y a pas besoin en fait, putain, mais tout ça pour ça. Ça y est, 20h51, on lance enfin. Putain, mais c'est... Putain, mais forcément, c'est un jeu Ubisoft qui casse les couilles. Hein. Bon, allez, je suis mauvais angle parce qu'on a eu aucun souci sur Driver San Francisco. Mais voilà. Bon, par contre, voilà, les temps de chargement, on rappelle qu'on est sur du rétro, on n'a pas le SSD de la PS5. Hein. Eh ben, merci beaucoup, Brassless26. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'années de. Enfin, ça fait un an que tu es affilié ou 2 ans? J'en ai strictement aucune. Je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là. Ah, mais ça, c'est l'installation du jeu. Là, ils sont en train d'installer les données du jeu. Non, ce que j'allais dire, si c'est ça, avant chaque live, enfin, à chaque fois que je lance le jeu, je lancerai le jeu à 19h pour le live à 20h. En plus, le 4, j'ai jamais lancé. Alors le 4 c'est loin d'être le meilleur. Le meilleur c'est Fallout New Vegas. Fallout New Vegas. Incroyable. Après c'est Fallout 3. Et après c'est Fallout 4. Mais il reste très bon quand même. Je l'ai quand même platiné. Et je lui ai quand même mis 300 heures dans les dents. Avec comment ça s'appelle avec les DLC. Donc je me referai une joie de lui remettre une bonne dose dans les dents. Même si je vous rassure, on fera pas 300 heures en live. Hein. Je pense que la trame principale, on en a pour une trentaine d'heures. Ça nous prendra peut-être 10 lives. Mais voilà. Mais il va falloir quand même que je me coordonne. Parce que là, si on fait Burnout 3 et Assassin's Creed avec Mafia Definitive Edition, il va falloir que j'arrive à finir l'un des jeux d'ici le 25 avril pour lancer... Fallout. Après j'aimerais bien faire Hellblade parce qu'il y a Hellblade 2 qui va arriver, donc on ferait peut-être Hellblade et Hellblade 2 en live. Surtout que Hellblade c'est très particulier, c'est assez rapide, je pense qu'en 2 lives on a fini le jeu, mais c'est très particulier parce que ça parle des maladies mentales etc, donc vous allez voir que c'est une expérience vraiment. Et après pour cet été, donc juin, j'ai prévu GTA Vice City Stories et Test Drive Unlimited 2. Rien que ces deux jeux-là, déjà, ils vont nous occuper une bonne partie de l'été. Hein. Ils vont nous occuper une bonne partie de l'été. Et après, il faudra trouver autre chose. Hein. Je vous ai dit, là, en fait, j'ai une liste. Je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est la liste. Voilà, ça, c'est la liste que j'ai prévue pour faire des jeux en live. Donc il y a de tout, il y a du jeu rétro, du jeu mi-rétro, du jeu récent, etc. Et en fait je vous proposerai un petit peu tout ça et on verra bien, sachant qu'à chaque fois il y a les suites des jeux à faire. Donc faudra faire Bioshock 2. Ah oui, non mais là je me lance pour une carrière de streamer pour 25 années. Hein. J'espère que vous serez là. Hein. J'espère que vous serez là. Hein. Bon ben voilà, c'est parti. 20h54, putain. Mieux vaut tard que jamais.
Allez, c'est parti, cinématique direct, je m'en rappelais plus. Hein. Je me souviens vraiment plus du tout. Je l'ai lancé que en 2007 le jeu. La folie quand même, je me rappelle quand même. En 2007, c'était la classe ultime. Yo Brazia! Ah, la folie! La folie! La folie! Ah, c'était une claque monumentale à l'époque, hein. Oh, les souvenirs! La tenue, elle pue vraiment à la classe. Hein. La tenue. Aïe aïe aïe. Affolant! Affolant! Ah, Ubisoft à cette époque, ils étaient très 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 vénères. On va pas se mentir. C'était. Comment ça continuer? Oh putain, attends, c'est ma. Ah non, on peut pas. Je croyais que c'était ma sauvegarde de l'époque. Je me suis dit, quoi, comment ça? Eh ben allez, c'est parti, hein. T'as, par contre, les temps de chargement, je m'en rappelle. Quand t'as l'habitude de jouer sur PS5 et Xbox Series X, t'as plus l'habitude des temps de chargement comme ça. C'est compliqué. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Oula, oula, oula. Mon pire cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chance. Non, mais c'est malaisant. C'est malaisant les. C'est malaisant ces femmes sans visage qui nous suivent partout. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion immortelle. Traumatisme psychologique critique. Ils rejettent le traitement. On arrête tout. Ah oui, c'est vrai qu'ils pouvaient se casser la gueule. J'avais essayé de le stabiliser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire, ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stillman. Oh, ça. Ça fout la gerbe! Mon père! Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite! Je suis en train de fracasser un mec! Voilà! Alors pour le gameplay, je peux pas encore te dire, puisque là j'ai juste. Je voyais rien du tout. Je vais te dire ça très rapidement. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Merci beaucoup, Yubé! Oh non, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Moi j'ai un énorme coup de cœur pour Assassin's Creed 3. J'avais adoré. Les employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. J'aime beaucoup aussi le 4. Parce que le côté pirate, j'adore. Oui, mais pour moi, c'est pas un Assassin's Creed. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez.
L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi. Bon, tout bien réfléchi. Si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade. Que préférez-vous, Monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Ah, Uncharted 4 dans notre cœur. Les Uncharted. Tu veux bien t'allonger? J'ai hâte également de appuyer sur une touche pour interagir. J'ai hâte de faire les Uncharted en live. Il faudra faire les Uncharted en live. Suis-je là, vous en êtes vrai Ubisoft Mag encore. C'est le restituant la mémoire génétique. C'est le Mag que j'ai failli lancer juste après la création de Rockstar Mag. Vous aurez no joke. Un didacticiel. Ubisoft est toujours parti dans mes studios que je kiffe depuis que je suis gamin. Qu'est-ce en fait. Qu'un souvenir, Rayman, Miles, Driver, il y a trop de classiques, Far Cry qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, Monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. Même Rayman 2, hein. Rayman 2, Rayman 3. Sur cette question. Les Rayman sont dans la liste. Absolument fascinante. On va faire les Rayman aussi. Elle fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça... C'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi ? Mais ton subconscient... Même niveau scénario, c'était la folie quand même ce premier Assassin's Creed. Ubisoft, c'est vraiment à leur prime. Pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Il faut y penser à tout ça quand même. Parfois, ça ne suffit pas. Alors, quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. En vrai, fallait y penser à cette époque et tout, hein. J'ai plus aucun souvenir par contre. J'ai plus aucun souvenir du jeu. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. La tenue, elle est incroyable. La tenue, elle est incroyable. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Bien. Maintenant, utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Oh merde.
qu'il ne doit pas faire tomber leur jarre. Le mec, il a tout fait tomber. Ah, mais faut que je reste appuyé en fait. J'avais pas vu qu'il reste appuyé. Ok. Bien joué. À sa sortie, j'avais pris une claque sur Frostpunk, j'avais adoré l'open world. Complètement d'accord avec toi, Fahrenheit. Sa sortie, c'était la folie. Hein. Et bienvenue à toi sur la chaîne par la même occasion. Et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Excellent. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Bien. Ah, Ubisoft, ils ont un catalogue de licences très violent. Vous sprintez et échappez plus facilement aux soldats ou vous rapprochez d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de même ça, c'était putain bien foutu. C'était bien foutu de se dire que... tu pouvais chuter, etc. Bien joué. C'était bien pensé, tu vois. L'Animus fournit certaines informations cruciales. Alors Splinter Cell, j'ai jamais terminé un seul jeu. J'ai joué etc, mais c'était pas trop mon époque on va dire. Et donc du coup j'ai jamais eu l'occasion de découvrir cette licence. Après tout ce qui est les Tom Clancy's en général, il y en a trop en fait. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Oh, ça c'était banger. Ça on peut plus le faire, il n'y a plus la lame secrète etc dans les derniers là. Ça, ça manque. Qui a fait ça? Le cadavre a attiré l'attention du soldat et sa perception indique. The Crew 2, j'ai adoré. Comme le suggère l'indicateur. Autant le premier The Crew c'était une grosse bouse. The Crew 2, j'ai adoré. Comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. C'est un assassin. Votre icône de statut indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Ah, les cachettes. Votre statut indique que vous êtes caché. Non, non, on te voit pas, t'es bien caché, monsieur. Il te verra pas là, c'est sûr. Votre statut soit mis à jour. C'est quoi ton top 3 de jeux solo all time sans compter les jeux Rockstar? Surtout, reste bien caché. Bah The Last of Us, The Last of Us 2, Uncharted 4. Bien joué, le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Ça te va comme réponse? Il faut à chaque fois, il faut me dire sans Rockstar, sans Naughty Dog, hein. Sinon forcément que... La barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. C'était bien pensé quand même. Le fait de pouvoir s'asseoir sur un banc, de se... Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Bah, Fallout, oui, mais à côté d'un jeu Rockstar ou Naughty Dog, c'est dur, hein. Vous pouvez imiter un érudit
Il y en a plein de jeux. Fallout New Vegas, Far Cry 3. Un Far Cry 3, quel banger. Alors les Batman Arkham, je ne les ai pas fait. En fait, j'aime pas les... Je ne regarde pas les Marvel et les DC Comics. Ni en film, ni en jeu. Donc j'ai pas fait Spider-Man, j'ai pas fait Spider-Man 2, j'ai pas fait les Arkham, j'ai... ...d'un sixième sens appelé Vision d'Aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Alors, le Bioshock, le premier Bioshock j'ai aimé, mais j'ai pas fait Bioshock 2 et j'ai pas fait Bioshock Infinite. D'où le fait que je vous dis qu'il faut que... qu'on le continue en live. Mais on parlait de Mafia, Mafia 2. Mafia 2 c'est un bang banger en niveau solo. C'était complètement dingue hein. J'ai limite plus hâte de refaire Mafia 2 que Mafia Definitive Edition. La vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence. D'ailleurs, on pourrait y aller là. Va maintenant être chargée. Yakuza jamais fait non plus. Yakuza jamais fait non plus. En fait, je suis très compliqué en open en GTA like. Genre, c'est très rare que j'aime un GTA like. J'ai genre le premier Watch Dogs, j'ai pas aimé. Watch Dogs Légion, attends, j'en parlerai même pas. Il y a sûrement un autre moyen. Watch Dogs 2, j'ai bien apprécié. Les Mafia, Mafia 2. Sleeping Dogs. Mais à côté de ça. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Ah, Mafia, Mafia, c'est très 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 bon. Oui, que Mafia 3 qui a raté. Mafia 3, c'est un gros caca. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Attends, c'est la voix de Nate. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître, Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais oui, c'est celle que j'ai choisie. C'est la voix de Nathan Drake et Obi-Wan Kenobi. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Bah, Sleeping Dog, on le fera aussi, hein. Tout ce que mon frère m'a dit. C'est que je devrais être honoré d'y participer. C'est vrai que maître quand... Parce que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Oh, ça me stresse. Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Ah mais attends, c'est la voix de notre personnage en plus. Tu vas me dire qu'on va jouer avec la voix de Nathan Drake, mais ça va me perturber de ouf. Ça va me perturber de ouf. Coup dur. Ah, Mafia 3, c'est du gâchis. Cette arche. Quoi? L'arche d'alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Oh, ça me stresse la voix. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé. C'est Bruno Choël. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. Ah, j'ai du mal avec les jeux Heroic Fantasy. J'ai vraiment du mal. En lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Genre Skyrim, The Witcher. Tu t'apprêtes à en bafouer un troisième. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi.
Bah sinon je te broute comme dirait Britney. Arrêtez, Templiers. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste ? Ton sang. Non ! Arrête ! Tu ne sais pas qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Enfin, après, attention, c'est pas tous les RPG où il y a les dégâts au-dessus, hein. Aux armes, soldats ! Tuez les assassins ! Alors, Nintendo, j'aime bien. Après, j'ai plus de mal. J'étais plus Nintendo quand j'étais jeune. Genre les nombres d'heures sur les Pokémon, etc. Maintenant j'ai un petit peu plus de mal. Il va y arriver ou... Maintenant j'ai un petit peu plus de mal. C'est vrai que... Genre j'ai bien apprécié Mario Wonder. Mais après je jouerai pas à des jeux Nintendo et des Mario tout au long de l'année en fait. Vraiment c'est bien une fois de temps en temps mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je... J'aurais du mal à faire ça vraiment tout au long de l'année, quoi. En vrai, niveau gameplay, ça a l'air d'aller, hein. C'est pas... ça a pas si mal dit que ça, hein. La lame d'assassin, c'est tellement classe. C'est tellement classe. Alors RE4, j'avais joué, j'ai joué au remake. Mais pareil, les Resident Evil, c'est vraiment pas mes préférés. Content de te voir sain et sauf, Dai. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour? Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. Coucou, Lemmy Winch, merci à toi. A très bientôt. Oh là là, les souvenirs. Oula. Ah c'est vrai que vraiment, il va falloir que le gameplay revienne quand même. Hein. Alors l'Assassin's Creed, je les ai pas tous faits, non. Je les ai pas tous faits. Le 1, 2, je les ai pas terminés. Brotherhood, Révélation, j'ai pas fait. Le 3, je l'ai séché. Le 4, je crois que je l'ai pas terminé. Après c'était Unity. Unity, j'ai joué mais j'ai pas terminé. Après j'ai lâché la licence. J'ai retrouvé avec Origins mais je l'ai pas terminé. J'ai pas fait Odyssey, j'ai pas fait Valhalla. Et j'ai séché Mirage. Voilà un petit peu ça en live, ça va être un peu l'occasion pour moi vraiment de redécouvrir la licence et de la faire dans son intégralité. Même si après je vous cache pas qu'à mon avis à partir de Doré, enfin surtout le Valhalla. En fait à partir du Valhalla ça va trop loin. Faut aller où là? Parce que là du coup il n'y a pas de map, il n'y a rien là. Si, ah si, il y a une map. Ah oui d'accord. Bah, c'est vrai que le codename Raid, j'en attends beaucoup.
parce qu'en fait, moi, ce qui me gonfle un petit peu, moi, Assassin's Creed préféré, j'ai dit tout à l'heure, c'est le 3. Le 3, en fait, moi, j'adore les États-Unis. Donc, l'ambiance vraiment aux États-Unis, tout Connor, j'avais adoré avec le Tomahawk et tout. Mais en fait, je trouve que la licence a énormément du mal à se renouveler. Mais surtout graphiquement et techniquement. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Rockstar avec du Red Dead Redemption 2 en 2018, et que tu vois en 2020 Valhalla comment il est dégueulasse au niveau des graphismes, de l'animation, du monde ouvert, etc. En fait, j'en attends 10 fois plus d'une licence comme Assassin's Creed en fait. Vraiment. C'est. Mais le 3, j'avais vraiment kiffé. Hein. Il a le diable assez trop ce quoi. Ah, il nous revient enfin. Abbas, où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier. C'est ça. Je sais que tu c'est une course. De partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. As-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. La flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus et ma lame tranchera ta gorge. Pas cap. L'occasion d'en reparler. Pas cap, pas cap. Vas-y. Je m'en rappelle absolument pas. Et qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Genre, je sais que j'avais fait plus de la moitié du jeu quand même. Mais c'était il y a 17 ans. Donc là, je m'en rappelle plus du tout le début, etc. C'est limite une redécouverte pour moi. Le maître t'attend à l'intérieur. Altaïr. Maître. Avance. Alors, le récit de les jeux de foot. Trésor des Templiers est-il enfin nous? Ah, attends, genre la cinématique. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor? Je ne l'ai pas. Et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui. Tais-toi. Ne dis plus un mot. Il est énervé, Dumbledore. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. Je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Restera ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Morts. Non. Pas tout à fait. Malik. Je suis toujours en vie. Et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir. Je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde! Nous aurions pu éviter cela. Et mon frère... Mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Oh le bâtard. Maître! Nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Massiaf. Alors, les jeux de foot, j'ai eu ma grosse période de foot au collège. Collège-lycée. De FIFA 9 jusqu'à FIFA 18, j'étais un gros joueur de jeux de foot. À partir de PES 5 aussi. PES 5, PES 6, FIFA 9, FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, jusqu'à FIFA 18. Enfin, j'ai un petit peu lâché avec FIFA 12, FIFA 13. Et après, je suis sorti avec une copine qui jouait au jeu de foot. Donc, on se la mettait bien sur FIFA. Sur les FIFA. Mais là, j'avoue que depuis 3-4 ans, j'ai lâché. J'ai complètement lâché. Je suis plus dans le truc. Il se passe quoi là?
C'est qui ce qu'on doit buter? Je suis depuis un moment, c'est cool que tu réponds aux abonnés. Bah merci beaucoup à toi Eternal. Et puis bah c'est totalement normal. C'est aussi pour ça que tous les soirs je suis en stream. C'est pour pouvoir passer du temps avec la communauté, autant ma commu. Content de te voir, nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers, ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart, mais pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Donc ouais, c'est pour ça que je fais les lives tous les soirs, comme ça, ça permet aux abonnés, que ce soit ma commu, que ce soit Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, de pouvoir tout simplement passer un petit temps avec moi, me poser toutes les questions, qu'on puisse répondre et puis qu'on puisse passer des petits moments sympathiques ensemble. Désolé, ça a bug chez moi, j'ai pas pu répondre. Alors Nintendo, je disais que c'est pas les jeux que je préfère. J'y jouais beaucoup beaucoup quand j'étais plus jeune. Ne le laissez pas s'enfuir. Les combats c'était insane. Oh, les combats des premiers Assassin's Creed c'était quelque chose. Honnêtement, c'était vraiment quelque chose. Oh merde, putain, j'avais pas vu. Alors attendez, donc ouais Nintendo, quand j'étais jeune maintenant, je peux pas dire que j'aime ou j'aime pas, c'est juste que voilà, j'ai passé du bon temps sur Mario Wonder. En fait c'est pas des jeux que je pourrais jouer tout au long de l'année. Une fois de temps en temps j'aime bien, quand j'étais gamin les Pokémon je les ai séchés de ouf, mais maintenant Pokémon ça me parle plus. Donc Nintendo ça reste particulier, j'aime bien une fois de temps en temps mais c'est pas... Oh là là, tellement classe. Ça pue la classe quand même. Ça pue la classe. Des fois quand t'es tout seul, est-ce que tu fais des jeux PS3? Pas tellement, parce qu'en fait j'ai tellement de jeux PS4 et PS5, Xbox One, etc. à rattraper. Là en ce moment je suis sur Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Je suis en train de vraiment sécher Cyberpunk. Donc en fait voilà, je profite des lives pour refaire des jeux un petit peu rétro. Mais sinon hors live non, parce qu'en fait j'ai déjà trop de jeux à rattraper. Donc c'est pour ça. Après jeu de foot ça change pas la limite à 24 avec le mode 49 joueurs qui est plus intéressant. Ouais voilà, enfin c'est juste que ça m'a lassé en fait, ma période m'a lassé en fait. Mais même avec mes potes etc, quand on faisait soirée avec mes potes qui venaient chez moi etc, mais c'était soirée de 21h jusqu'à 3-4h du matin sur FIFA quoi. On faisait des tournois etc, maintenant on s'amuse plus sur du CTR, sur des jeux Mario Party, etc. que ça, ou de FIFA, ça nous a tous passé en fait. Vraiment. Nintendo, ce point noir, c'est le prix des remakes. Nintendo, j'avoue que quand Mario Kart 8 Deluxe, qui est un remaster déjà de la Wii U, est toujours à 60 balles, tu te dis...
Ah, sur FIFA, je commençais à... Altaïr, viens. Al-Mualim a encore du travail pour nous. Je commençais à tâter, hein. Nous réservons. J'étais toujours dans la... en ligne. Dans la ligue 1-2-3. J'oscillais entre la ligue 1-2-3 en fait. Donc plutôt même ligue 1-2. Voilà. Maintenant maintenant je pense que j'ai tout perdu. Hein. Maintenant j'ai tout perdu. Je pense que maintenant maintenant je pense que c'est je pense que maintenant je suis un nulos. Ça j'avoue qu'en 2007 ça devait envoyer du pâté quand même. Hein. Hérétique ! Hérétique ! Rendez-moi ce que vous m'avez volé ! Tu n'as aucun droit sur non mais là maintenant par contre je dois être allez peut-être ligue 7-8. Là maintenant j'ai plus de niveau. Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Ah si ça s'oublie quand même. Rien qu'au niveau de la défense tactique maintenant, la défense c'est horrible. Et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait. Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Oh la classe. Ah, ah, ah ma jambe. Ah, coup de dur. Ah bon, t'as de la chance mec d'avoir niqué juste ta jambe. Vu la hauteur où t'es tombé, t'es censé être mort mec hein. Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Ça comme corde là? Ah mais j'ai pas vu qu'elle ait une poutre là. Ah là là, les séquences d'escalade. Bah en général, les infos de FC25 ça arrive l'été. Hein, des FIFA. Hein. Donc là, t'auras pas d'infos avant. Avant, c'était au mois de mai. Là, maintenant, en général, c'est juin-juillet maintenant, je crois. Mais bon, ce sera toujours la même merde. Hein. Faut pas se leurrer hein. Non. Oh là là, l'angoisse. Ah ouais, super. Ah, c'était ça aussi, il sautait un petit peu dans tous les sens le type, c'était un peu chiant ça. Repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Parce que je suis trop badass, frère. Tu as la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance. Que tu avais ignoré nos préceptes. C'est un mytho, Malik. Il y a des règles
Si nous ne respectons pas le credo des Hachishiyun, nous ne sommes rien. Ces trois règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Ouais, va se calmer, Dumbledore, ou... Le second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Bah, Altaïr Indassos, hein. Vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Alors pour les employés de Rockstar, ils retournent au bureau le 15 avril. Pour le moment on n'a pas plus de nouvelles. De toute façon, vous comptez sur moi, vous le savez très bien. Au moindre nouvelle qu'on a, ça part direct sur articles et vidéos sur Rockstar Mag. Re-Reda. Capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore une heure ou deux. Discutons-en dans la salle de conférence. Non, c'est le 15 avril. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Let's go, Reda. Ça aussi, je trouvais ça banger de pouvoir faire vraiment jouer dans le passé, dans le présent et tout. Franchement, le Ubi Masterclass à cette époque. Hein. Devant le prisonnier. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila? Depuis l'accident, on est tous à plein cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirons déjà rien. Ils nous y arriveront. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ces souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. Ça donne envie de les aider. Hein. Déjà tu te fais prisonnier, tu te fais capturer. Ensuite ils te traitent comme de la merde. Possible, je peux même pas me changer. Non mais c'est incroyable. Mec, il est retenu prisonnier, ce qui le scandalise, c'est qu'il peut pas se changer. C'est
C'est terminé pour aujourd'hui, Monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. Pas le choix, quoi. Alors, Assassin's Creed 1, c'est Altaïr. Assassin's Creed 2, Brotherhood Révélation, c'est Ezio. Assassin's Creed 3, c'est Connor. C'est pas vrai. Assassin's Creed 4, c'est Edward. Unity, c'est Yarno, si je dis pas de bêtises. Et après, j'ai lâché Syndicate, je sais pas du tout. Assassin's Creed Rogue, je sais pas du tout non plus. Assassin's Creed Origins, c'est Bayek. Je sais pas, mais c'est un peu flippant de vous voir. Ouais, Rogue, c'est Shay Cormac. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons. Origins, c'est Alexandra. Allez, nous avons du pain sur la planche. Et je sais plus comment il s'appelle, le mec. Ne soyez et pas Valhalla, c'est Eivor. Vos ancêtres défendent des valeurs quasi respectables, monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, il considérait que ce sacrifice en valait la peine. Alexios, quasi respectable. Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation, la rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile, et parfois ça ne prend pas. Laissez-moi deviner, vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret. Bah après, Ezio, il y en a eu trois, effectivement. Il y a eu Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation. Donc finalement, il y en a eu trois, c'est peut-être pour ça que tu t'es fait piéger, Pyro. De lancer, retourner à Massiaf ou dérober ceux des bandits. Je suis vivant. Mais vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu voies. Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort. Pour qu'à ton réveil, tu sortes du néant. Et vive à nouveau. Dans ah yes, Eternal, ouais, donc gros fan. Altaïr, gros fan. Pourquoi les Hachichiyun se battent? Pour la paix, en toute chose. Oui, en toute chose. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin aux violences entre les hommes, mais aussi de trouver la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est. Mais toi, mon fils, tu n'as pas trouvé la paix intérieure. Ton arrogance et ta vanité en sont des témoins évidents. Pourtant, n'est-ce pas vous qui disiez que rien n'est vrai et que tout est permis? Tu ne comprends pas le sens de cette phrase, mon enfant. Cela ne t'autorise pas à te comporter... Salut Master Adam! Bienvenue sur le live! Doit guider tes sens et première fois sur la chaîne, bienvenue! Fait encore défaut. Alors, que vais-je devenir? Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait. Malik ne me contredirait pas. Ta vie en échange de celle de son frère. Mais ce serait du... Ah, il casse les couilles, Malik, là. Comme tu... Et salut, Maze. Bienvenue à toi. Et tu as été déchu de ton rang. Tu es redevenu un novice, un enfant. Comme le jour où tu as rejoint notre ordre. Je t'offre une chance de te racheter. De te battre pour réintégrer la fraternité. Et qu'avez-vous prévu exactement? Pour commencer, prouve-moi que tu n'as pas oublié ce qu'est la fraternité. Vous voulez que je tue quelqu'un? Non, pas encore. Dans l'immédiat, tu vas suivre la formation d'un apprenti. Tout cela est inutile. Tu étais un maître. D'autres traquaient les cibles pour toi. C'est fini. Désormais, tu devras les trouver toi-même. Si c'est ce que vous voulez. En effet. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé.
Trouve-le. Et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître ? Oh, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir. Faut vraiment qu'il fasse un remake de ce jeu. C'est vrai qu'en plus, c'est le seul... Ah putain, on n'a plus la lame secrète. Oh non. Oh, on n'a plus rien en fait. Ah ouais, donc en fait on est vraiment devenu un gros caca quoi. Super. Il est devenu fou. Il marche sur une rambarde. Paix et sérénité, Altaïr. Tu m'empêches de passer. Oui, Al-Mualim m'a demandé de t'assister. De te rappeler comment on chasse une proie. Je sais comment on fait. Quoi qu'il en soit, je m'en voudrais de lui désobéir. Alors fais vite. Les Ashishiyun ont plusieurs moyens d'arriver à leur fin. Oui, oui. Nous pouvons écouter les conversations volées ou intimider quelqu'un par la violence. Bien, tu ne l'as pas oublié. Tu voudrais que je me mêle à la foule et que j'obtienne des informations. Il est perdu, lui. C'est ça. Commence par le marché du village. C'est là qu'il a été vu pour la première fois. Tu sais donc qui il est ? C'est possible. Eh bien, donne-moi un nom, qu'on en finisse. Ce n'est pas comme cela qu'on procède. Va. Et n'oublie pas. Commence tes recherches au marché du village. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, les PNJ, ça me tue. Mais pourquoi il court ? Mais m'emmerde, elle ! Quelle imprudence ! Je sais ce que j'ai vu. Massoun a ouvert la porte. Il a laissé entrer les Templiers. Tu dois en parler à Al-Mualim. C'est trop tôt. Massoun n'a pas agi seul. Il avait un complice dans la forteresse. Comment peux-tu en être sûr ? Il échange des messages avec quelqu'un, à l'intérieur. Le Vanier sert d'intermédiaire. Ce n'est pas une raison pour ne rien dire. Ah, et le Vanier lui a remis un message juste avant l'attaque. Je suis sûr qu'il y a ordonné l'ouverture de la porte. Alors interroge le Vanier. Il connaît l'identité du complice. Il a disparu. Il se cache, de peur d'être mêlé à tout cela. Ouais, peut-être dans un de ses propres paniers. On enquête. Il y avait des rumeurs comme quoi il comptait faire un remake pour la sortie d'Assassin's Creed Mirage. Ah ouais ? Ça me dit rien ça. Il y en a beaucoup qui pensaient que Assassin's Creed Mirage, c'était le nom de code d'un remake, mais non, c'était juste un retour aux sources. Mais moi, je me rappelle pas d'avoir entendu parler d'un remake. Hein. Après, je me trompe peut-être, mais ça me dit rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? En vrai, Black Flag, je le trouve encore beau, mais c'est vrai qu'un remake, ça peut être cool. Après, Ubisoft, en ce moment...
pitié, juste un. Nous avons tout perdu dans l'attaque. Nous ne pouvons plus entreposer notre grain. Je... pas maintenant, je suis occupé. Ce message vous inquiète? Quel message? Celui que vous avez reçu à mon arrivée. De mauvaises nouvelles? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mais s'il vous plaît, dans l'immédiat, laissez-moi. Revenez plus tard. Comme vous voulez. Attends, c'est eux qu'il faut aller là. Il va finir par se blesser. J'écoute vos conversations. C'est un stalker lui. Ah non, je suis au mauvais endroit là. Yo Bouluga, comment ça va? Il me semble que le projet d'un remake avait été votre avis d'abandonner la place, ils ont mis le même filtre couleur. Moi ça me dit rien. Je dis, il y avait beaucoup de rumeurs, les gens pensaient que Mirage était le nom de code pour le... Putain mais... Putain mais c'est où? C'est là alors. Je vois bien comment vous me regardez. Regarde un peu où tu vas. Ah oui, voilà, c'est là. J'écoute vos conversations. Un traître, moi? Non, pas un traître. C'est Al-Mualim qui nous a trahis. Vous verrez. Bientôt, vos yeux s'ouvriront à la vérité. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Un monde meilleur où tous les hommes seront enfin égaux. C'est ce rêve que des hommes comme Al-Mualim tentent de détruire par tous les moyens. Je vois bien comment vous me regardez. M'emmerde. J'écoute vos conversations. Un traître, moi? Non, pas un traître. C'est Al-Mualim qui nous a trahis. C'est vraiment nécessaire. Vous verrez. Bientôt, vos yeux s'ouvriront à la vérité. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Un monde meilleur, où tous les hommes seront enfin égaux. C'est ce rêve que des hommes comme Al-Mualim tentent de détruire par tous les moyens. On est sur PS3. L'attaque d'aujourd'hui sera suivie de beaucoup d'autres si vous ne vous repentez pas. Renoncez à cette vie. Soulevez-vous contre le fou de Masyaf. Assez de mensonges. Il va passer un mauvais quart d'heure lui. T'ouvres trop ta bouche toi. Assez, je me rends. Voilà. Alors parlez vite.
Tes petits jeux ne m'intéressent pas. Oh, la voix de Nathan Drake, ça me stresse. Et qui sers-tu? Nous servons les Templiers. Rejoins-nous. C'est une noble cause. Nous? Il y a un maître. Il s'appelle Jamal. C'est lui qui m'a exposé leur plan et demandé d'ouvrir la porte. Tu nous as trahis. Nous qui te considérions comme un frère, qui te protégions du mal. J'ai fait ce que j'estimais juste. Si tu dois me tuer pour cela, alors fais-le. Je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas moi qui déciderai de ton sort. Al-Mualim sera le seul juge. Avance rapide vers une séquence plus récente. Écoute ça, Sylvain, t'as déjà joué à plusieurs... Oui, j'en ai déjà fait plusieurs, ouais. Les accusés j'ai déjà fait plusieurs. Notre même le 1, je l'avais fait pas en entier, mais je l'avais fait. À l'ennemi d'arriver jusqu'à là, je joue à Driver sans Rosco, let's go. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Tout cela est vrai. Ben, on va les faire, on va tous les faire, les Assassin's Creed. Mon seul regret est d'avoir échoué. Je t'offre une chance de te racheter. Renonce au mal qui est dans ton cœur. Il n'y a rien d'autre. Ça va, Dumbledore, il est sympa. Que la vérité. Il pardonne tout le monde. Je ne me repentirai pas. Mon préféré, c'est le 3. Alors, tu mourras. Ah oh. Je te félicite, Altaïr. Assassin's Creed 3. Tu as gagné le droit en Amérique, l'épée. Avec Connor. C'est mon préféré. Et celui qui l'a aidé, que va-t-il devenir? Que celui qui l'a aidé. Certains font le mal par ignorance ou par peur. Ces hommes peuvent être sauvés. D'autres ont vu leur volonté se corrompre, leur esprit se pervertir. Ceux-là, il faut les détruire. Nous saurons bientôt quelle sorte d'homme est Jamal. J'ai réussi la première épreuve. Et maintenant? Oh, mon enfant. Mais cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste. 9 noms y figurent. 9 hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix, pour notre terre et pour toi-même. Ta rédemption est à ce prix. 9 vies en échange de la mienne. C'est une offre très généreuse. Que veux-tu savoir d'autre? Juste où je dois commencer. Très bien. Va à Damas. Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir. Qu'il soit le premier à... Il était sympa, Mirage. Gros souci sur... N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville. Le côté graphisme et technique. Dommage. Je vais mais envoyer sinon, Mirage était sympa. Pour informer le Rafik de ton arrivée. Parle-lui. Yes, j'ai commencé la série Fallout. J'en suis à 2 épisodes. Et je surkiffe. Et là, cette nuit, ça va binge-watcher la série. Je le pense. Demain, c'est fini. De plus, tu ne peux commencer ta mission sans son accord. Je n'ai pas besoin de sa permission. Pourquoi procéder ainsi? C'est une perte de temps. C'est le prix à payer pour tes erreurs passées. Tu dois répondre de tes actes, devant moi, mais aussi devant la fraternité. Je m'incline. Prends ton équipement et va. Prouve que tu es encore l'un des nôtres. Ah, je récupère ma lame. Non? Rendez-moi ma lame. Rendez-moi ma lame. Ah, voilà. On l'aura pas perdu trop longtemps. Ouais, c'est pour ça que j'attends beaucoup le prochain, en partie pour ça. Voir le nouveau moteur, etc. Si c'est avec le nouveau Snowdrop qu'ils ont utilisé sur Avatar, ça peut être vraiment sympa. Mais Il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. On va aller défoncer les apprentis. Voilà, apprenti, voilà! Voilà, tiens! Ploie devant ton maître! Ploie devant. Voilà, c'est comme ça qu'on traite les apprentis, t'as voulu me défier, hein? Voilà! Voilà, tiens, allez, t'en as assez? Est-ce que t'en as assez? Je comprends, tu es très occupé. Fidèle, tu vas mourir! Allez, un petit coup de grâce.
Ah là, tiens. 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 Voilà. 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 Reste au sol, je te dis. Voilà. Je comprends. Tu es très occupé. C'est sympa d'être un assassin. Tu vas mourir. Je comprends. Tu es très occupé. Bien sûr, je suis occupé, frère. J'ai pas que ça à foutre. Faut que j'aille à Damas en plus là. Salut Epsilon. Ah bah c'est pas moi hein, c'est Altaïr hein. Enfin c'est Desmond et Altaïr même. Je contrôle Desmond qui lui contrôle Altaïr. Donc c'est pas moi hein. Non coupable. Attends, est-ce que je joue au bon endroit au moins? Oui, c'est ça. Hein. Vers le royaume. Et ouais, là on entreprend un voyage. On va monter sur le cheval. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Putain, dès qu'il voit une botte de foin, faut qu'il s'y fourre dedans. Hein. Incroyable ça. Ah, encore un qui est pressé. On dirait qu'il a le diable à ses trousses. Il est où le cheval? Ah, on prend le blanc ou le noir? Alors en blanc, comme ça on est full white. Hein. Ça aussi c'était la folie de monter à cheval. C'était la folie à l'époque. Bien sûr qu'on fait le jeu en entier, Bouluga. Bien sûr, on continue la semaine prochaine. Hein. Oula, 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 on a failli faire une... Une sortie de route. Red Dead Redemption 2 n'a qu'à bien se tenir. À l'époque c'était la folie hein. Vraiment à l'époque pousser les soldats du haut des toits ou dans le décor pour ensuite leur échapper plus facilement. Mais non, ah. Les fameuses synchronisations. Bah écoute, on fera une tier list une fois qu'on aura fini les Assassin's Creed, tous les Assassin's Creed. Puis après, j'avoue que je les ai pas tous faits. Ah là, la fameuse synchronisation qu'après on va retrouver dans tous les jeux Ubisoft. Merci beaucoup Kaidouk. Ça y est, les fameux points d'observation. Là. Ah, il y en avait que 12 dans le premier, Bouchou. Attention. Oula, pardon. J'ai perdu le contrôle. Attends, non, là c'est d'où je viens là. Non ?
Ah non, je viens pas d'ici. Attends. C'est où qu'il faut aller? Attends, c'est là? Oui, c'est là. Et après, faudra aller à gauche. Bah, moi, j'adore Avatar. Du coup, le dernier, j'avoue que j'ai bien kiffé. Cependant, ça m'a vite gonflé. Parce que il est ultra répétitif, sa mère. Et c'est dommage parce que il y avait moyen de faire mieux. Mais on sent que sur un côté, il y a une volonté de mieux faire, de changer, d'évoluer. Mais sur un autre côté, tu sens qu'il y a aussi beaucoup de ratés. D'où le fait que j'attends énormément Star Wars Outlaw. Et j'espère ne pas être déçu. Vraiment. Oulala, il y a des petites baisses de framerate là. Le 30 FPS, il est pas constant. Checkpoint atteint, il y a bien... Eh oui, il y a... Ah, par contre, pour descendre à cheval à chaque fois... À mort ! À mort ! Tu ne peux quoi pas m'échapper ? Comment ça ? Et pourquoi ? J'ai rien fait, moi. Tu ne t'échapperas pas. Ah, il jette des pierres, ce bâtard. Tu ne t'échapperas pas. Il jette des pierres, ce bâtard. Ça se fait pas, ça, hein. Ouais, franchement, en fait... T'avais l'impression de jouer une heure et t'avais l'impression d'avoir fait tout le jeu. Et que après pendant 20-25 heures tu refaisais les mêmes choses. Et c'était relou. Bah allez. Ça ne sert à rien. Je ne le trouverai pas ici. Ah, je t'aurai. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça marche là. Il est où mon cheval? Il est là. On va regarder un petit peu. Il faut continuer par là. Comment ça? Pourquoi? J'ai rien fait là. Ah mais incroyable la playlist de Sons. Un bon gars ça. Ouais, je sais qu'il faut aller vers le croissant, mais en fait, j'essaie de regarder s'il y a des tours. Comme ça là pour synchroniser autour de moi. Comment ça? Arrêtez de me lancer des cailloux là. Thank you.
Pourquoi il a pas fait son saut de... pourquoi il a pas fait son saut de l'ange là? Utilisez la vue action pour obtenir des informations. Il peut pas? Bah si. Bah voilà. Yo mon cheval. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ça. En vrai, le gameplay, il a pas si vieilli que ça. Hein. Mon cheval, il est où? En fait, on est dans GTA, quoi. Ça va être un petit peu dur, j'ai voulu peut-être m'emballer. Mais faut que je m'apprenne à combattre, faut que je m'entraîne à combattre. Donc bousculer les gens qui se trouvent. Donc je vais les démonter. Mais du coup on est un peu dans GTA quoi, faut que je revole un cheval. Ah oui c'est ça. Ok bon. On y est. Pour faire diversion, vous pouvez éliminer quelqu'un en lançant un couteau. Il y a deux vies dans celui-là, je crois. T'as Damas et Jérusalem, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Trois villes. Je m'en rappelle plus. Ça je me rappelle. Quand j'étais gamin, il y a 17 ans, et j'étais arrivé, j'ai eu ça, je me suis dit, waouh, j'ai dit mais c'est vraiment la ville ça. J'ai dit mais c'est immense. Et effectivement c'est immense. Ah. Coup dur pour le mec. C'est vrai que c'est assez immense quand même. Hein. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Essaie donc. Infidèle, tu vas mourir. Infidèle, tu ne m'échapperas pas. Tu veux mourir? Très bien. Ça ne sera pas très difficile. Non mais je sais pas comment... C'est trop facile. Comment on fait pour... Oh merde. Merci. Bon. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. T'as pris un coup d'épée en même temps, mais... qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros.
Il a pris un coup d'épée au passage, mais tranquille. Il y a un meurtrier en liberté. Le monde, je vous le demande. Ça, c'était la folie, ça, quand même. C'était la folie. Quand j'ai vu ça il y a 17 ans, je me suis dit on fera jamais mieux. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, le premier Assassin's Creed ferait vraiment partie des jeux qui ont marqué l'histoire, tu vois. Le premier, il arrivait, tu disais putain, mais autant la classe du personnage, l'ambiance, l'univers et puis les combats. Mais c'est surtout avec le Assassin's Creed 2 et le 3 où les combats vont vraiment. Parce que là je me rappelle plus trop comment on fait les parades et tout. Mais je me rappelle que dans le 3, c'était. Le 3, c'était mais la folie. C'était la folie. Que de souvenirs. Tout ce que tu cherches, je l'ai. Je propose des prix réduits sur toutes mes marchandises. Il y a encore un mec qui s'est violenté là-bas. Exactement ce qu'il te faut. Mais ça va durer encore longtemps là ou... Ouais là après tu passais par les toits pour être tranquille. Dieu est avec nous, vieillard. Arrêtez, je vous en prie. Vous me faites mal. Garde-toi de moi. Je vais te trancher la tête, traître. Bâtard. Merci. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Mais je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce que... c'est bon, on me l'a déjà dit, hein, c'est bon, j'ai compris. Mais faut faire quoi maintenant? Ah non, mais faut que j'aille avec eux en fait. Ne recommence pas si tu tiens à la vie. Vous allez arrêter, oui. Mais je comprends pas compris en fait. Il a fallu rentrer pour sauver un citoyen pour ressortir, c'est tout? J'ai pas compris, c'est quoi l'objectif suivant en fait? Deux enquêtes. Alors, les objectifs. Attends, c'est moi ou y a pas, j'ai pas d'objectif? Tous les éléments. Objectif. Oui, voilà, y a pas d'objectif en fait. Ah, on attend de données, ok. Ok. Au meilleur prix. Allez, venez voir mes marchandises. Vous n'en croirez pas vos yeux. Bah on va aller. C'était à moi. Tu vas me dédommager. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avec eux. Quelque chose. Je suis avec eux les gars. Tu n'as rien à faire ici. Fiche le camp. Venez, venez. Là, je me suis fait bouli là. Je suis avec eux. Bon les gars,
Allez, let's go. Merci les gars. Ben on va aller faire les... Voilà, on va aller là. Hein. On va aller faire les trucs tant qu'on n'a pas de... Bah ça rigole pas ici hein. À la foutre hein. C'est ici. Mais aussi un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour ses convictions. En attendant qu'on ait un objectif, on va faire les postes. Et ensuite, il fait quoi là? Hop là. Voilà. Tac. Ah ok, ok, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, en fait, faut aller voir ça. Ok. Eh oui, après il y a plusieurs missions à faire. Là c'est quoi ça? Bureau, ah ok. Ok, alors on va déjà faire tout ça. Oh, le parcours c'était un plaisir quand même. Ah non! À peine je dis ça, il se casse la gueule. Oh là là, c'était vraiment la fouille à l'époque quand même. Et merci pour le follow Farnaint! Hop là. Voilà. Putain, il y en a vraiment beaucoup à activer en fait. Hein. Un petit peu relou quand même. Shaitan, le Shaitan est partout, soyez prudent. Allez mec. Hop là. En fait, il faut synchroniser les points pour faire apparaître les objectifs, réaliser les objectifs pour faire avancer l'enquête.
Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Alors, il faut qu'il arrête de faire ça. Faut qu'il arrête de faire ça. Vraiment con, hein. Salut mon Raph. Sacrifier des milliers de vies pour la défendre. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa jeunesse? Si vous en avez assez de la camelote, venez chez moi. C'est là, je pense. Hein. Oula, il y a du monde là. Oula! Bah oui, là, qu'est-ce que t'as fait, mon bonhomme? C'est pas là que je te demandais d'aller, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est con, lui, hein, il est con! Il a ouais, ça existait pas le parcours à cette époque-là. Hein. Ils comprennent pas les gens. Voilà. Ah, c'est bon, t'es mort, hein, n'en fais pas toute une salade non plus, hein. Oh là là, drama queen celui-ci. Le prochain, il est en face. Hein. Écoutez-moi tous. Aïe, il va finir par se blesser. Exactement ce qu'il te faut. C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'infidèles arrivent. Et sale voleur, regarde, je te ferai trancher la main. Maudit voleur. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher. Parle à moi lui ou quoi? Je vais le soulever moi. Tac. Putain, il en reste encore 4, hein. Relou, hein. Relou, hein. Le prochain, il est là-bas. Trancher la main. Qu'est-ce que tu veux? Aidez-moi. Quel homme étrange. Quel homme étrange. J'avais jamais vu personne faire ça auparavant. Devant les meilleurs articles de toute la ville. Il va finir par se blesser. Allez. Il va faire des affaires. Je suis ton homme. Allez, viens. Il a bugué. Il a le diable au corps. Hein? Vous excusez. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ça me fume les commentaires des PNJ. Jette un coup d'œil. Il a fait par toi-même. Quelqu'un sait pourquoi il fait ça? Quelque chose t'intéresse? Le Saladin Soloué. Il a trouvé la force de défendre notre illustre civilisation. Ne vous leurrez pas, c'est bien pour notre survie que nous luttons. Le roi infidèle rêve de nous voir disparaître de la surface de la terre. Nous devons lui résister, nous devons le repousser.
Allez. Plus que 3. Plus que 3, plus que 3. On va faire lequel? Bah celui-là, hein, c'est celui-là le plus proche. Hein. Celui-là qui est complètement derrière. Ah non, il a pas sauté. On devrait cesser de se comporter comme un idiot. Rien ne me surprend plus maintenant. Qu'est-ce qu'il compte faire celui-là? Bah allez. J'avais jamais vu personne faire ça auparavant. Pas grave, j'en ai d'autres. Beaucoup toi, tu sais ce que tu veux. Ah, il peut pas monter là? Vous trouvez que ce sont des manières? Pas moi. Rien ne me surprend. Hop là. Et là, faut monter là-bas. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Quel homme étrange. Il a perdu la tête. Il va finir par se blesser. Eh bien. Il a perdu la tête ou quoi? Il a perdu la tête. Comment on fait pour accéder là-haut? Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Bah allez, saute! Il faut l'arrêter, il va finir par se faire mal. Ils sont si bienveillants avec moi. Là, on peut pas monter, on peut juste aller là en dessous. Comment je fais pour monter là-haut, là? Tu n'es qu'un sale voleur! Finir par se blesser et qu'il ne compte. Oh là là. Aïe. Ah, d'ici, je pense que l'on va pouvoir sauter en face. Voilà. Nickel. Allez bro. Eh ben il était compliqué celui-là. Il était compliqué celui-là. Fallait le vouloir hein. Fallait le vouloir. Hop, 7. Allez, les deux derniers. On va faire celui-là. Il était où en plus hein? Sale voleur, je te ferai trancher la main. Laissez-moi partir, j'ai rien fait de mal. Ah. Oups. C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'infidèles arrivent. Ah bah super. Ils sèment la terreur dans leur sillage. Saladin est parti à leur rencontre pour nous venger de leurs actes barbares. Priez pour que Dieu exalté et glorifié.
C'est terrible, ça aurait pu m'arriver à moi. Écoutez-moi tous, je suis venu vous avertir. Si Richard venait à prendre Jaffa, alors plus rien ne Il ne le connaît mieux que moi. Venez écouter mon histoire. L'histoire incroyable du prince des marchands. Alors Tamir fit route vers le nord, se demandant quoi faire avec un chargement de vivres qui bientôt allait se gâter. L'histoire et la vie de ce pauvre diable auraient pu s'arrêter. Voilà. Mais le destin décida autrement. En ce temps-là, Tamir conduisait une caravane. Oui, c'est vrai que c'était pas hyper précis à l'époque, mais en vrai ça va. En vrai, quand tu vois le dernier mirage, c'est voilà, le mirage n'était pas non plus de toute précision, j'ai envie de dire. Alors Tamir fit route vers le nord. Ne ratez jamais ça. Ça me fume quand il tombait. Mais qu'est-ce qu'il a ? Eh bien. Ça y est, la dernière tour. Trouver la force de défendre notre illustre civilisation. Ne vous leurrez pas. C'est bien pour notre survie. En fait, j'ai fait tout ça, mais on n'est même pas obligé de le faire en fait. Faut juste aller au bureau des assassins en fait. De la surface de la terre. Nous devons lui résister. Nous devons le repousser. Au moins, la première zone de la map, elle est faite. Et là, on va aller ici. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Ne reste pas là. En chemin, Tamir croisa le chef des Sarrasins et son armée de soldats. Tous, sale voleur, je devrais trancher la main. Tous réalisèrent la chance. Il a peut-être quelqu'un à cette course. Il vient de heurter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi est-ce qu'il est si pressé ? Il a l'air pressé, celui-là. Maudit voleur ! Aidez-moi ! Je vous en prie ! Tu n'es qu'un sale voleur ! Quel idiot ! Je vous en prie ! Là. Tu n'es qu'un sale voleur ! Tu oses commettre un larcin sous mes yeux ? Tu vas le payer cher. Altaïr, quelle joie de te revoir. Et en un seul morceau. C'est un plaisir partagé. Je suis désolé pour tous ces problèmes. N'y pensons plus. Je viens de quitter certains de tes frères. Si tu avais entendu ce qu'ils ont dit à ton propos, je suis certain que tu leur aurais tranché la gorge. Laisse-les dire. La vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment suivi le credo, n'est-ce pas ? Cela suffit. Non, excuse-moi, j'ai parfois tendance à m'égarer. Quelle affaire t'amène à Damas ? Un dénommé Tamir. Al-Mualim réprouve ses agissements. Je dois y mettre un terme. Dis-moi où je peux le trouver. Tu n'as tout de même pas oublié comment traquer une proie ? Bien sûr que non. Il faut connaître ses déplacements. Mais ce genre de mission est réservé à... Ah, je vois. Va parcourir la ville. Découvre ce qu'il conspire et où il travaille. Sans préparation, impossible de réussir. Peux-tu me dire à son sujet ? Tamir gagne sa vie grâce au marché noir. Voilà pourquoi il faut que tu te rendes dans le quartier des souks. Tu dois te concentrer sur les endroits suivants. Le petit souk au nord-est, la madrassa à l'est et les jardins au nord. Limite-toi à ces trois endroits et tu en apprendras beaucoup. J'imagine que tu souhaites me revoir quand j'en aurai fini ? Oui, reviens me voir. Je te donnerai la plume d'Al-Mualim et tu pourras tuer Tamir. Comme tu voudras. Souviens-toi, Altaïr. Si tu te retrouves dans une situation délicate et que les habitants deviennent hostiles, reviens ici. Je te tiendrai à l'abri de l'orage. Sache que si l'ennemi est trop proche,
Je garderai porte close tant que tu ne l'auras pas semé. Tu as compris? Bien sûr. Si l'ennemi entrait ici, toute la fraternité serait menacée. Exactement. Vas-y maintenant. Bon. Ben, on va éviter de refoutre le bordel. Jack, on s'est fait virer une fois. Alors. On va... On va faire de l'espionnage. Hein. On va faire de l'espionnage. Maudit voleur ! Je vous en prie, quelque chose. Ah non, c'est là-bas l'espionnage. Samir donna sa nourriture au chef des Sarrasins. Et lorsque la bataille fut terminée, on dirait qu'il a le diable au corps. Celui-ci fit en sorte que le marchand soit payé au centuple. En chemin, Tamir croisa le chef des Sarrasins. Soyez prudents, mes amis. Shaitan est partout. Il attend, il observe, il nous soumet sans cesse à la tentation. Soyez forts comme Salah Adin et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nos ennemis. Maudit soit-il, maudit soit le roi chrétien et son armée d'infidèles. Ces hommes agissent contre la volonté de Dieu. Ils méritent un châtiment exemplaire. Partout où ils passent, ils sèment la terreur. Ils disent que c'est une croisade pour quoi ? L'ignorance, la violence, la folie. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Que Salah Adin soit loué. Il a trouvé la force de défendre. Ah mais non, mais c'est eux, je suis con. Ne vous leurrez pas. C'est eux. C'est bien pour notre survie que nous luttons. Le roi infidèle. Alors, comment as-tu réussi ton forfait? Ce n'a pas été simple, mon ami. Non, pas du tout. Ce maudit marchand m'a surpris la main dans le sac. Il a appelé à l'aide. J'imagine que les gardes étaient furieux. J'en ai vu arriver une douzaine armées. Et ils cherchaient la bagarre. Et qu'as-tu fait? Ils cherchaient la bagarre. J'ai couru dans la foule et renversé quelques étalages au passage. Mais ils étaient toujours sur mes talons. Comment t'es-tu échappé? Avec l'aide de mes amis. Que veux-tu dire? Deux d'entre eux étaient postés à l'une des sorties du souk, au sud-est. Ils m'ont laissé passer, puis ont distrait les gardes le temps que je disparaisse dans les ruelles. Sans leur aide, il est certain que je ne serais pas là pour te raconter toute l'histoire. Sarrasin, mais j'ai pensé la même. J'ai pensé la même. Il faut l'arrêter, le mettre hors d'état de nuire. Hop là. On va faire lui aussi du coup. De toute façon, faut tous les faire. Approchez-vous, venez écouter mon histoire. L'histoire incroyable du prince des marchands. En ce temps-là, Tamir conduisait une caravane entre Damas et Jérusalem. Mais les affaires marchaient mal. Aucun habitant de Jérusalem ne semblait intéressé par ses produits. Des fruits et légumes provenant des fermes voisines. En ce temps-là, Tamir conduisait une caravane entre Damas et Jérusalem. Mais les affaires marchaient mal. Trop près, trop loin. Aucun habitant de Jérusalem ne semblait intéressé par ses produits. Des fruits et légumes provenant des fermes voisines. Tamir donna sa nourriture au chef des Sarrasins. Et lorsque la bataille fut terminée, celui-ci fit en sorte que le marchand soit payé au centuple. Si Tamir n'avait pas été là, les hommes de Salah Adin se seraient sans doute retournés contre leur chef. Nous lui devons peut-être la victoire.
Je vais vous apprendre la politesse. Oh. Tu sembles bien connaître Tamir. Que prépare-t-il? Et coucou Nick, c'est là. Je connais que les histoires que je compte, rien de plus. Bonsoir. Dommage. Bonsoir à toi. Je ne te laisserai pas vivre si tu n'as rien à offrir en échange. Attends, attends. Je sais quelque chose. Je t'écoute. Il est très soucieux depuis quelque temps. Il fait fabriquer de grandes quantités d'armes. Et alors? Elles sont destinées à Salah Ad-Din. Cela ne m'aide en rien. À chaque fois qu'il dit Salah Ad-Din, ça me fait penser à... Non, à... au film Dictator. Mais pour quelqu'un d'autre. Elles portent des emblèmes différents qui me sont... Avec le général Aladdin. Apparemment, Tamir vient en aide à une personne que je ne connais pas. Est-ce tout? Oui. Est-ce tout? Oui. Je t'ai dit tout ce que je savais. Alors te voilà condamné. C'est gratuit ça. C'est gratuit ça. Là... On va continuer avec un espionnage. Ça c'est fait, ça là, nous on tergiverse pas. C'est d'échapper à quelqu'un. Lui, il est coupable. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Mais que tu vas le payer cher. Oh, au moins ce que j'ai fait de mal, par pitié. Mais t'as volé, meuf. Ça se fait pas. Allez, viens, viens. Laisse-moi te montrer ce que j'ai pour toi. J'avais vu. Alors. Où est-ce qu'on a un petit banc? Tout ce que tu cherches, je l'ai. Là-bas. Mes amis, n'allez pas plus loin. Tout ce dont vous avez toujours rêvé, vous le trouverez ici. Je te dis que ce sont des rats. Non, des rats. Je les entends rire. Rats ou enfants, tout ce bruit, c'est pas bon pour les affaires. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un doit escalader ces poutres pour les chasser. Je me demande comment ils sont montés jusque-là. Bah, sans doute par la cour centrale. Nous devrions demander aux gardes de jeter un œil. N'y pense pas, ils sont bien trop occupés à cajoler leur maître. Ok. On va refaire un espionnage du coup. Où est-ce qu'il va? Alors, c'est la... Qu'est-ce que tu veux? Je vous en prie. Attention. Qu'est-ce que tu... Arrête! Je ne peux pas t'échapper! Non mais ça va, je suis juste rentré dans quelqu'un. Il ne devrait pas mourir comme ça. Je ne reste pas comme ça sans raison. What? What? Mais t'es sorti d'où toi? Il est fou lui! Où se cache celui qui a fait ça? Il marcherait ensuite vers Jérusalem. Il faut l'arrêter, le mettre hors d'état de nuire. Cette cité est la nôtre, elle l'a toujours été. Et il est de notre devoir de la défendre jusqu'à la mort. Ah, c'est pas un bon ça. Il n'est qu'un sale voleur. C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'infidèles arrivent. Et ils prennent la terreur dans leur sillage. Salah Ad-Din est parti à leur rencontre pour nous venger de leurs actes de barbares. Priez pour que Dieu, exalté et glorifié soit-il, nous entende et nous fiche accorde la victoire. Les feux de la guerre consument notre terre. Il a fallu sacrifier des milliers de vies pour la défendre. Il où le banc? Une tragédie, bien sûr, mais aussi un grand... J'ai fait mirage, ouais. J'ai fait mirage. Pas de plus grande gloire. Reste pas là. Ah si, c'est un banc ça, pourquoi il voulait pas s'asseoir?
Ah, parce qu'il y avait personne d'assis dessus, donc il voulait pas s'asseoir. C'est pour ça. Eh ben oui, voilà. Il avait pas compris. Il avait pas compris que c'était un banc. Il a demandé à nous voir. De quoi s'agit-il cette fois? D'un avertissement? D'une exécution? Non, il a du travail à nous confier. Encore un travail qui ne nous paiera pas. Il se moque bien de la guilde des marchands. Seul compte ses intérêts. Il nous traite comme si nous étions des serviteurs. La garde ne fait rien pour l'arrêter. Assez, il faut y aller. Notre retard risque de l'agacer et nous en pâtirons. Peut-être qu'un jour quelqu'un aura le courage de lui tenir tête. Peut-être. Mais en attendant, il faut suivre ses ordres. Il observe. Il nous soumet sans s'attendre. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Soyez fort comme Salahadin. Et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nos ennemis. Oula. Que Salahadin soit regardez. Loué. Ouais, on est pas trop. Bah, j'ai bien apprécié le Mirage, vraiment bien apprécié. Le seul souci, c'est que graphiquement et techniquement, bah, on est resté à l'époque PS3 quoi. On est resté à l'époque PS3. Et c'est un petit peu dommage. Oula, il s'est emballé là aussi. Attends, c'est lequel qui est en train de parler là? Ah, trop près. Il faut vraiment faire quelque chose. Quelqu'un d'autre ne va pas tarder à le découvrir. Bah non, je suis pas dur. Honnêtement, Assassin's Creed Mirage, allez, pas PS3, mais PS4. Graphiquement et techniquement, on souffre quoi. Alors ça va qu'il était à 40 balles, je crois. Donc en vrai, ça va. J'ai pris beaucoup plus de plaisir sur Mirage que sur le peu que j'ai fait de Valhalla par exemple. Mais voilà, là maintenant ça devient urgent de. Ça devient urgent de setup quoi. On en attend beaucoup de code name raid hein. En fin d'année. Là, il faut que ce soit le gros Assassin's Creed avec le moteur Snowdrop, etc. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh là là. Je suis caché, tu me verras pas, je suis caché. Je suis plus caché. Casse-toi ton vase. Ne recommence pas si tu tiens à la vie. Je suis caché. En fait, bon, on va dire que c'est là qu'il y a personne. Quelque chose t'intéresse ? Fichez-moi la paix. Pardon. J'ai peut-être trop proche en fait. Oh, c'est quand tu veux que tu vas dans une ruelle sombre là. Oh mais je vais me le faire hein. Et ma parole, s'il repart à gauche, je vais vriller. Putain mais le bâtard.
Mais il va tourner jusqu'où là, comme ça là? Ouais, fais comme si j'étais pas là. Là on prie, on donne tout ce qu'on a. Là je prie pour que le mec il aille enfin dans un endroit seul pour que je puisse lui casser la gueule. Il fait demi-tour. Il fait demi-tour, je vais le fumer. La vermine, on s'en fait trancher la tête. Quoi? Putain. Mais elle est buggée cette séquence. Elle est buggée cette séquence, on est d'accord. Elle est buggée cette séquence. Parce que je comprends pas là. Là, il va repartir là-bas. Mais il va dans aucun endroit. Il va faire demi-tour ce bâtard. Dieu tout puissant. Ah mais attends, c'est pas un truc qu'il faut que je lui vole là? Quoi? Qui a fait ça? Parlez! Que s'est-il passé? Dieu tout puissant. Alors, où te caches-tu? Et voilà. Il fallait que je lui vole un truc. Putain, j'avais pas fait gaffe. Putain, je pouvais attendre longtemps. Ok, et là, c'est quoi là? Ah, il faut encore lui dérober un truc là. Ok. Ah, je voulais lui casser la gueule, je voulais le soulever moi. Je voulais le soulever. Je suis à ton service. Tu n'as jamais rien trouvé sur les états des autres marchands. Eh bien chez moi ça n'arrivera pas. Bonjour l'ami. Je peux faire quoi que ce soit pour t'aider. Ça te plaît tout ça? Est-ce que tu as bien compris? Oui. Je dois porter la lettre à votre ami. Bah oui, je lis pas, c'est juste le logo, je croyais que c'était le logo, il fallait casser la gueule. Surtout pas. Moi je suis violent moi. Je suis pas un voleur. Attention. Nous avons l'œil partout et vous êtes bien armés. C'est pratique pour réduire les bavards au silence. Je ne le sais que trop. Vous avez ma parole. Bien. Alors dépêche-toi. Le temps presse. Mais que fait-il celui-là? Bonjour l'ami. Je peux faire quoi que ce soit pour t'aider. Quoi que ce soit, je te fais, dis-moi. Je prie, je prie, je prie. Alors ça te plaît tout ça? J'en ai peut-être même trop.
Mais ça marche pas! Si vous restez là, je vais finir par m'énerver, hein, moi je vous ferai bien. Regardez où vous allez. Je suis à ton feu de la guerre pour suivre notre terre. Il a fallu sacrifier des milliers de vies pour la défendre. C'est une tragédie, bien sûr, mais aussi un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour ses convictions. C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'infidèles arrivent. Et c'est lui qui vient en découdre. Saladin est parti à leur rencontre pour nous venger de leurs actes de barbares. Priez pour que Dieu exalté. Comment ça? Eh, les missions dérobées, elles sont buggées. Elle va pas plus loin. Mes amis, n'allez pas plus loin. Tout ce dont vous avez toujours rêvé, vous le trouverez ici. La sagesse est grande. Non, ça n'est pas venu. Qu'à moi. Et il est pas revenu là en plus. Ah, réinitialiser. Bon, on va se mettre là, on va prier dans le. Venez chez moi. La marchandise est exceptionnelle. Je suis à vous. Voilà! Et donc là, il faut retourner au bureau. Et merci It's Kev pour le follow. Maudit voleur. Bienvenue Altaïr. Bienvenue. Bienvenue. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi la plume. Chaque chose en son temps. Qu'as-tu appris? Tamir règne sur le Souk Al-Silla. Il a fait sa fortune en vendant armes et armures et a reçu beaucoup de soutien. Bienvenue à toi, Kev. Première fois sur la chaîne, bienvenue à toi. Financier. C'est le plus puissant des marchands de mort de la région. Et as-tu trouvé un moyen de nous débarrasser de cette vermine? Ils vont se rassembler dans le Souk Al-Silla pour conclure une vente importante. La plus importante jamais réalisée par Tamir. Il sera pris par son travail. Et j'en profiterai pour agir. Ton plan me semble logique. Tu as tout mon soutien. J'avoue que le premier AC, il est... C'est quelque chose. Merci pour la plume, mec. Que la volonté d'Al-Mualim soit faite. Je suis sûr qu'il y a que la force est avec toi. Autant que tu veux. Non, ça va aller. Si, non, je sais pas. Avance rapide vers une séquence plus récente. Eh ben écoutez les amis, c'est sur cela que va s'achever le premier live sur Assassin's Creed. On continue la semaine prochaine puisque demain je vous rappelle qu'on termine Driver San Francisco et donc on continuera, on enchaînera. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet parce que là mine de rien les deux premières heures c'est beaucoup de tutos etc. Donc là on commence à rentrer dans le vif du sujet et on fera donc dès la semaine prochaine la première vraie mission de ce Assassin's Creed.
premier du nom. Bah, j'espère que vous avez kiffé ce soir, que ça vous fait un petit peu de la nostalgie. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir de relancer le jeu. Et donc, voilà. Sur cela, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Bon courage. Rendez-vous donc demain 20h pour terminer Driver San Francisco. Et ensuite, eh ben, on continuera donc Assassin's Creed avec la semaine prochaine avec, on le rappelle, Burnout 3 Takedown et Mafia Définitive Édition. Sur cela, les amis, bonne soirée, à demain.